crois que c'est parti. Je vais faire l'effectif. Et puis, je vais lancer. C'est incroyable. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ou qui regardent la rediffusion, c'est Coupe du Monde pour Zaki Manager. Et donc c'est les classiques. C'est le groupe E. Donc il n'y a que 5 personnes présentes. Donc ça va se faire Classica San Sebastian et ensuite Dorsdorf-Landeren. Et les trois meilleurs du groupe passent. Et donc je participe, je suis aussi en stream, je suis hôte. Et ça va partir. Parfaitement. Problème, mais je pense qu'on est de retour. Tout se passe bien, on va pouvoir lancer. Pas trop un live de diversion, hein. C'est surtout pour avoir les rushs et pour donner un point de vue à ceux qui veulent regarder comme vous. Déjà au milieu du monde, vous pouvez parler sur le chat, hein. Voilà, de temps en temps. Donc pour ceux qui se demandent, la barre qu'il y a sur les coureurs, c'est normal. C'est pour éviter de montrer à tout le monde la barre pour les coureurs. Pour éviter tout ce qui est stream hack. Mais bon. Parce que là, tout va bien. Merde, qu'est-ce qu'on voulait faire? Voilà, comme ça. Donc, au cas où, on rappelle les règles, pas de gros blocs, pas le droit d'attaquer avec toute son équipe, enfin avec plus de deux coureurs à la fois, et pas le droit au train de plus de 4 coureurs. Donc là, ce que je fais là avec un train de 2 coureurs, un train de 4 coureurs, c'est totalement autorisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Ça va être du tryhard, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'amusement, quoi que ce soit. Alors moi, je viens pour m'amuser. C'est-à-dire que je viens pour essayer de voir ce que je vaux. Si jamais je passe, c'est cool. Mais je serai pas deck si je passe pas. Vraiment pas de soucis. Attaquer sauf moi. Et bien sûr, une règle très évidente, on joue en x1.
l'instant 4 corps échappés. Tout le monde est représenté à l'avant sauf moi. Ça m'arrange, parce que je suis un bon client, j'aime bien rouler. J'ai tourné ça à mon avantage dans les montées. Catch that hope.
la chaise de Steven, c'est pas mal. On risque de revenir quand même. Sinon, l'échappée va prendre un peu de temps. On a de la mauvaise entente, c'est comme ça. Les trois escrocs. Hop, on en récupère deux. Je me fais bouffer, incroyable. Ah ouais, il se m'a roulé lui du coup. Excellent. We'll be right back.
crains plus de 4. J'ai Samoman qui est en quinte position. Comme... Oh bah super. Bah comme ça c'est fait. Il a crevé, ce bâtard. Putain, incroyable. Comment il peut crever là? Comment va? Ah, je vais train de la Sky. Ah, il met pas son rouleur. C'est une backlang, ça après cette montée, je n'ai plus grand chose à faire. J'essaie d'exploser maintenant. Si on peut passer, passe. L'objectif, c'est surtout de ne pas se faire lâcher. Rester bien placé. Je sais pas ce qu'il faut au même, mais si pour rester là c'est bien. Si je peux le garder pour le plat, mais après, oui, ça me fait chier ici. Putain, t'es obligé de crever, toi. Le Wayland qui tombe aussi. Okay. Fusionne avec le train Sky. Si Woman arrive à suivre, c'est cool. Voilà, vous êtes comme méfiant des gens là. Est-ce que c'est l'âge derrière? Ici, un peu dommage, sur le train Sky qui me cure. Ah oui, le scan. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la merde. Ederson qui lâche. Ah, ma clante qui va. Ah, on va plus continuer. Oh. Lissi. Lissi, ça fait mal à perdre quand même. Je peux pas trop forcer un dessin. C'était Vin qui tient par contre. Oui, il a 2 minutes. Hein. Ça me sert bien. Le charbon est bien. Il n'y a pas d'échappée, il n'y a pas trop de zone roulée. Ça devrait passer si je roule pas trop vite. Toi, tu vas aller prendre à boire. Son auto, que tout le coup il prendra pas à voir lui. Oh,
arrive, s'il y a un problème, moi je regarde toujours. Je vois tout. Et le jury verra tout aussi. Petit jury international. Là. Je pense qu'il y avait vraiment ce rider dans son train devant. Non, le tour est laissé, je pense. Oui, si c'est en queue de groupe, il n'y a pas de problème, je pense. Voilà, s'il monte avec un train avec plus de 6, là, par contre c'est problématique. Pour l'instant tout va bien. C'est qu'à lâcher là ? Qu'est-ce que Jean-Pédersen ? Les gens ont pris leur jeune sprinter quand même, ça m'étonne un peu. Après, on aura un train qui tiendra jusqu'au bout. Pas besoin de mettre quelqu'un de côté là. Pour ça, mon mode. Projeter. On va le tuer. Que ça, mon mode, il vienne. Oh putain. Oh, quelle horreur. Je suis en train de partir. Non, woman. Reviens. Là, je peux intégrer Omen. Oh putain! Non, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! Oh non! Putain! Oh les trains! Quelle belle création pour ces Key Manager! Qu'est-ce que je suis mauvais surtout! Quelle horreur! À tel niveau, incroyable. Et ça attaque. Hein. Ok, il y a déjà quelqu'un qui rage, incroyable. Steven avec porte. Si les gens ragent, c'est bon. Il a plus que deux coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, je vois ce qui s'est passé. C'est problématique. Ok, ça en fait un en moins. Désolé, hein, c'est pas méchant, mais c'est cool. Avoir quelqu'un au moins pour la victoire. Est-ce qu'il y a qui vont perdre deux coureurs, je pense. Et là, pour être sûr de les tuer, faut jouer fort. Parce que là, son train dépend de Moscone, qui va être dans la sauce. Ah, c'est bon, on se fera sur Bernal. Et au moins, c'est plus fort que Bernal. Oh, Georges. Oh, Georges, le Cypriote, qu'est-ce qui t'arrive? Coureur pour Georges. Van Aert qui a du mal à suivre. Compliqué à croire ça. J'avais faire pire que lui moi. J'ai fait défendre un train d'Oumen qui était lâché. Encore plus horrible. Ici. Ici qui a du mal à tenir. S'il va pouvoir revenir, Christophe lâché, tout le train de Saki Manager avec Bernal lâché aussi, Marcato, Moscone, personne qui l'a chassé logiquement. Par contre, ici c'est compliqué. Moi, c'est pas trop de mon intérêt que ça rentre, mais en fait, je m'en fous un petit peu. Donc, je vais laisser Chris rouler en bas, je pense. Ah, on m'entend mal. Quelle horreur. Sinon, oui, ça va. Très bien.
Ah, c'était il y a comme 5 minutes. Je mets du temps à répondre. Quelle horreur. Je suis trop concentré. Il y a un groupe, est-ce qu'il va revenir, je pense. Il va revenir. Ah oui, tu Pantano. Je pense qu'il faut que j'ouvre la croche. Faut pas qu'il puisse rentrer. Je suis désolé, mon habit belge, mais je dois rouler. Éliminer un concurrent, c'est pas quelque chose à éviter. Pantano qui meurt, ça c'est cool. Oh, c'est Mollema en plus, il peut pas gagner avec Mollema, c'est pas possible. Prendre un bidon avec Omen. Et le train de Thomas qui remonte. Pendant qu'Omen va prendre à boire aux potes. Pantano qui lâche. J'ai pas très bien vu ce qui s'est passé pour Zaki le manager. Mais ça a l'air compliqué à vivre. Et le train de la Sky qui remonte avec Bernal. Encore la Bernal, putain. Ah oui, en train de crever. Alors que Rochman. Oh, je vais mener royalement pour la montée de Sam Woman. Et là, il faut faire mal. Allez, on a un drop en plus. Essayez de faire mal aux gens qui dépendent de mauvaise personne. C'est Steven! What the fuck? Bon, bah, Mollema lâché, hein. Assez logiquement, parce que c'est Steven. Ça a l'air compliqué pour Nicolas Roche. On va essayer de le faire remonter quand même. S'il peut lâcher ses dernières forces. Ok, personne d'important de lâcher dans cette montée. Non, je suis pas tout seul à avoir 4 coureurs. Même Zaki Manager, je crois qu'il a encore tous ses coureurs, il me semble. Non, il n'y en a plus que 4. Je confonds toujours les gens. Ok, je pense que c'est ça de la course, j'ai encore pas mal de coureurs. Il va falloir surtout gérer le sprint, c'est ça que ça va être compliqué ça. Allez, Omen va passer. Pour Roche, c'est terminé. Allez, attaque de George Bennett. On panique pas. Tout va bien. C'est George. C'est du bullshit. On approche dangereusement de la dernière montée. Il faut être bien placé. Dumoulin qui va emmener Kelderman dans cette montée. Allez, on n'hésite pas à faire à tuer Omen pour être bien placé. C'est pas un problème s'il a plus de barre Omen. Il va servir à rien d'autre que ça. Et c'est parti avec Dumoulin. Bientôt. C'est parti. On reste bien placé. Allez, première partie de la montée achevée. Il y a un petit replat. Attaque de Roglic.
Petit bug. Allez, Dumoulin, quand même toujours Kelderman, parfaitement. C'est compliqué hein, cette dernière partie de montée là. La partie la plus dure. Froome qui n'a plus de barre rouge. Bien suivi par Kwiatkowski. Même cas pour Dumoulin. Allez, on bascule. Faut continuer à emmener. Roglic qui passe avec Van Aert de justesse. Et là, ça va être le train. Qui va mieux gérer le sprint? Quelle horreur. Incroyable scénario. Une chute. Oh! Victoire pour Wiko Kelderman. La première étape qui me revient. Incroyable chute dans le final. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Je crois que je suis un des... Ouais, on est que deux à être passé avec notre puncher. Et j'ai mieux géré le final. J'ai sprinté en dernier et j'ai remonté tout le monde. Incroyable cette finale. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Incroyable. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de faire le final de la classe Classica Saint-Sébastien pour les World Cup. Et il y a eu une chute au pied de la descente. Mon grimpeur a été emporté. J'ai fini avec Kelderman. Et j'ai gagné. Alors, je crois que... disent que normalement devrait pas y avoir de chute. Moi, il me semble que les chutes elles sont sur ce que j'ai mis 0,5. Merci, Sam Cycling FR, mais c'est compliqué un peu cette victoire. Parce que on a eu une chute sur la fin. Et j'ai pu en profiter plus que d'autres malheureusement. Enfin, heureusement pour moi, mais... mais du coup... on va exporter et prendre le screen. Je vais mettre ça là. Et je vais recréer pour la deuxième étape. Cinq équipes. C'est parti. Ah,
Ok. Je pensais vraiment pas que c'était 0 de chute.
Ouais, c'est enfin intéressant. On part dans les pavés. Donc j'ai enlevé les chutes. Normalement, d'un paveur de couilles. Pff, ça me dégoûte. Je comprends pas comment c'est possible. En fait. Rip Ben Swift. Attention, ça va être chaud là. Et là, il va y avoir des blocs. Ça, c'est un pavé étroit. Il faut être bien placé. Parce que là, la voiture va bloquer. La merde, la voiture. Ok, placé idéalement. Et voilà, Gaviria Poland qui cède. Rouler dans la bascule. Voilà, les coureurs qui font l'élastique. Là, c'est reparti directement. Et juste après, il y a un petit secteur. Keto. Allez, vas-y. Keto aussi qui arrive pas à remonter. Mathieu qui roule très fort. Aussi avec Karinka. Alors, on est bien un groupe de lâchés avec Bernal, Ardent, Gaviria, Polank. Karinka qui va céder sa place à Ketkowski. C'est fini. L'attaque de Backlands. C'est pas très grave. Peut-être que ce qui pourrait réguler le peloton. Et là, ça va y avoir des blocs aussi. C'est parti. Quelques skis. Comment ça se passe derrière? Crac Anderson loin. Un groupe de lâchés là, peut-être. Faire le forcing et quelques skis. On est parti avec Brambilla, Dumoulin, Ginkolb. Et oui, des seconds couteaux qui sont partis avec moi. Et moi, je peux pas tout donner maintenant, malheureusement. Ça rentre. Qui est lâché là? Ardent, toujours. Ça fait des efforts pour revenir, ça c'est important. Allez, Karinka qui va lâcher sûrement dans ce secteur. Aïe aïe aïe. Là il fait mal Ketkowski. Le polonais.
C'est Kelderman, j'ai l'impression qu'il mène le rythme. Devant Vervac. Là, ça va se calmer un peu. Rambilla qui vient rouler. Nassan qui remonte aussi. Qu'est-ce qu'il va faire, Chris? Kelderman qui remonte avec Vervac et Krak Andersen. On va essayer de remonter avec notre train. Oh putain, pas toujours les mêmes. On peut essayer là. Voilà. Allez, ça va être dernier secteur avant l'enchaînement de quelques petites boss. Puis après c'est parti dans l'enfer. C'est là que tout va se jouer. Christophe encore présent. Allez, dernier secteur avant la petite pause. Pas de grosse cassure, devrait y avoir un Hagouk. Avoir un petit code juste après, faut être bien placé. C'est pas là qu'on fera mal, je pense. Et là, un Divier il prend cher par exemple. Et là, on va se calmer un petit peu. On va aller prendre un petit bidon. Moscone qu'enchaîne pour rouler. Sur une partie un peu descendante, un peu plate. Pendant que. Michel Kwiatkowski va prendre à boire. Hop, le petit chemin qui a été trouvé. Kwiatkowski repart au travail. L'objectif c'est de ne pas perdre de coureur. Ils viennent de récupérer un peu Kwiatkowski, pourquoi pas. Essayez de pas trop rouler dans les boss, c'est pas le principe. On a Pedersen qui va craquer bientôt. Voilà. On mène sans faire trop d'efforts. On veut récupérer un quand même. Christophe qui vient. Ça se replace avec Backlands, Krak Andersen, Kelderman, Vervac. La Sunup qui a encore un assez bon effectif. Et attaque, Kelderman vers Vac. TCM qui essaie d'envoyer des coureurs à l'avant. On va pour relais pour. Krak Andersen, il me semble. Oui, c'est ça. Attention à cette petite côte, elle peut faire mal si on se place mal. On va essayer d'aller récupérer les deux coureurs de la Sunweb. Voilà. Avec le boulot de Michel Kwiatkowski.
suis le seul joueur à avoir plus de 3 coureurs. C'est pas très rassurant, mais ça me dérange pas. Je suis content d'avoir encore quelques skis à ce stade-là de la course. C'était pas gagné. Turini qui attaque avec Knysen. Peut-être qu'il vient juste rouler. C'est pas très clair. Et là, il faut être placé dans cette côte. Il y a Knysen sur la route. C'est incroyable. Et aucun Sky. Oh, super. Je supporte pas Van Barle, je vois ça. Corruption. Peut-être que le ski qui tient toujours. Oh, Christophe en défaillance. Petit moment de répit pour les coureurs en peloton. Derrière, Pedersen ne reviendra pas. Il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de rouler. On essaye de rester bien placé quand même. Et Brambilla qui vient rouler. Pour la trek. Quelque chose qui a bien besoin de cette descente qui arrive. Ah bah, visionnage, c'est la Hesse. Team attack pour The Game Manager. Attention, c'est un tag, il est attaqué avec 3 coureurs. Faut jouer avec les bonnes règles, hein. Ça, c'est pas autorisé d'attaquer avec 3 coureurs. Qu'est-ce qui t'arrive en bas? Oh non. Oh non, pas ça. Reviens. Non! Là, il faut rentrer là. Le travail du Johnny Moscone. Il faut qu'il permette à Van Barle de rejoindre le groupe de tête. De rejoindre Mason Webb. Et la G2R. Derrière Marcato en. Dans la sauce. Moscone, il faut remonter tout ça. C'est bien manœuvré pour l'instant. On part à 7. Féliné qui a été coincé avec Mollema. Steven qui est obligé d'attendre. Trois équipes dans le groupe de tête. Vervac qui refuse de prendre les relais plus longtemps. Ce qui a profité à Steven peut-être. Et Marcato toujours loin. Ah, il faut rester placé dans ce secteur.
essayer d'empêcher les gens derrière de revenir. Allez, on repart à 7 comme avant. Féliné. Si j'ai l'impression que Steven est passé. Et oui. Qui n'a pas pu suivre. Allez, Moscone, le travail. Sur le secteur. Toujours bien placé, Van Barle. Allez, secteur pavé en descente. Je crois qu'on a le nom du top 3. Hein. Ça va être un Sky, un AG2R et sûrement un Sunweb. Même si Steven peut créer la surprise, pourquoi pas. Allez, essayer de faire mal dans ce col. Dans ce... non, pavé plutôt. Le Tayenberg. Et Steven, encore une fois décroché. Dommage. Et oui, forcément, on s'attaque. Krak Andersen qui va. Rouler avec Moscone, je le fais. Hop là. Toujours bluffé, hein. Pourtant. On va attaquer aussi, je pense. Faut que ce soit à nous d'attaquer. On a vu que personne d'autre que nous était capable, est-on capable de suivre. On y va. Et qui va y aller maintenant? Qui est capable? Cavervac risque de me rejoindre. Et on fait rouler les équipiers. Hein. On veut pas voir Van Barle partir. On va retenter un coup. Qui peut partir? Allez, oh, Marcato qui a été violemment bloqué. Allez, il faut suivre ça. Suivre Nessen. Et Steven qui est lâché, qui n'a plus de barre. C'est terminé. Invraisemblable que Marcato soit à ce niveau-là. On pensait complètement mort. Mais il semble mieux qu'il n'en paraît. À manœuvrer ce sprint, hein. C'est pas vraiment où se placer. On a du monde dans la roue. Allez, je pense que j'ai lancé au meilleur moment possible. Est-ce qu'on va dépasser Oliver Nyssen? Et deuxième place. Bien joué à tous. Victoire pour Oliver Nyssen et la G2R. Nous, on prend une deuxième place avec Van Barle. C'est bien. Ouais, je pars tout seul, bah c'est le but. Hein. Tu veux que je parle avec qui? J'aurais peut-être pu lancer plus tôt. J'aurais peut-être dépassé Nessen sur la fin. Mais bon, je suis pas déçu d'une deuxième place. Dans une game où il n'y a pas eu de problème, mis à part. Une attaque peut-être un peu litigieuse, mais qui n'a pas eu de grand effet dans la course. Peut-être. Donc je pense que la première course va être faite. Ça, c'est pas moi qui vais décider, mais il y aura sûrement un remake de la première course à San Sebastian. Que j'ai gagné, mais de manière pas légale, à cause d'une chute. Je suis responsable de cette chute en plus. Donc
qu'on doit refaire. Bah juste bien joué à Oliver Nassen. Assez bien joué le sprint. Question France. Double français sur cette Dwarsdorf-Landerun. Troisième place occupée par un Belge. C'est tout. Hein. Y'a pas grand chose d'autre à dire. Bon, je sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, si on peut faire maintenant la Saint-Sébastien. Mais je vais couper le stream maintenant. Et je le relancerai au moment du remake. Donc c'est terminé malheureusement. Si jamais je passe au deuxième tour, ce sera lundi prochain. Même horaire. Par contre, là, ce sera des adversaires plus difficiles à jouer. Ah, c'était le premier tour. À plus.